casse. L'objectif, c'est qu'un jeune prenne la relève un jour. C'est ça que je veux. Je le fais pour eux autres. C'est le sport qui a donné un sens à sa vie. Le parcours de Mathieu Léonard pourrait inspirer un scénario de film qui pourrait s'intituler « Le point tournant ». C'est d'ailleurs le titre de son prochain livre où il relate une jeunesse chaotique avec une issue à peine croyable. Une preuve que le scénario du décrochage, délinquance et drogue ne finit pas toujours mal. Dépressif, Mathieu a pensé plusieurs fois que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Il y a encore quelques années, son quotidien était parsemé de vols et de ventes de stupéfiants, courtisé par les gangs de rue qui ne seront jamais très loin sur son chemin. J'ai fait des vols, j'ai vendu de la drogue aussi plus jeune. T'sais, j'ai fait des choses que je me suis découvert d'un certain côté, j'ai découvert un autre monde qui aujourd'hui me bénéficie dans un certain coup. Est-ce que je peux comprendre les réalités, les situations quand je parle aux jeunes? C'est la rencontre avec le sport qui va le sauver. Mathieu le décrocheur va reprendre petit à petit sa vie en main avec la ferme intention de devenir quelqu'un. Il vient d'ailleurs d'entrer à l'université. La boxe, ça a été mon déclic qui m'a dit, grâce au sport, je vais pouvoir m'en sortir et arriver un jour, je sais pas où, mais plus positivement que je l'étais hier. Là, en ce moment, je fais mon préparatoire au droit à l'Université de Montréal, ce que je suis énormément content. J'ai du fun, je m'amuse et je vais aller au droit justement l'année prochaine après mon préparatoire. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, j'ai dit que je voulais comprendre le droit un peu plus, les lois, pour aider ceux qui en avaient peut-être besoin aussi. Surtout on est dans une époque où il y a tellement de profilage, puis tellement de gens qui sont pas au courant de leurs droits en tant que tels. Moi, je vais être au courant de les miens, je vais être au courant de ceux des autres aussi. Et justement, c'est pour ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que je me présente ici à Montréal-Nord, dans ma référence? Ah, vous connaissez mon visage? Ouais. Ah ouais, bon, c'est bon. J'ai un début. Je suis là. Je me présente. Vous savez qu'il y a des élections cette année à Montréal, le 5 novembre? Okay. Écoutez, je vous laisse ça. Si jamais des questionnements, vous pouvez me trouver sur Internet. Le prochain combat de Mathieu Léonard, c'est avec la politique municipale qu'il va le mener. Un affrontement qu'il dit à sa portée. C'est mon prochain 12 rounds. J'ai ma carrière de boxe amateur que j'ai adoré. J'ai eu tellement de plaisir. Maintenant, j'ai mis ça de côté pour me lancer dans le ring politique de la boxe. Un peu comme Justin. T'sais, Justin l'a fait. Tout le monde a ri de l'eau au début. Puis aujourd'hui, regardez où est-ce qu'il est. Son combat, il l'a gagné. Son deuxième combat en politique, quand tout le monde a ri de l'eau en 2007, il l'a gagné. Donc, ouais, c'est définitivement très, très motivant pour moi aussi. Moi, je me présente, Mathieu Léonard, comme je vous ai montré, projet Montréal. Comme bien d'autres, il est la preuve que les méandres de la rue ne se terminent pas toujours dans une impasse. Quel que soit le résultat des élections, il veut continuer à être ce témoin qui partage le message qu'un meilleur avenir est toujours possible. J'ai déjà une chance, j'ai une voix. Je vais l'utiliser pour ceux qui n'en ont pas, pour qu'un jour, il y ait un autre jeune qui est dans ma situation, mais en pire, si on veut, qui regarde ça et qui dit « OK, moi aussi, je vais le faire ». Ici Robert Frozier, Radio-Canada, Montréal.